On le met sous les robes. C'est la même fonction que les jupons. Sauf que les jupons, ça c'est un jupon par exemple. Donc les jupons, c'est que des tissus qui forment une masse. Mais ici, il n'y a pas que des tissus. Il y a une forme en bois, en métal, des tissus comme ça. C'est le même système que le temps, tout à fait. C'est pas, alors, ça peut s'appeler des paniers. Il y a un autre mot. Des élèves. Et d'où ils sortent, ceux-là? T'as déjà été au premier? Ouais, c'est une les filles, donc on est bien sorties, franchement. Mais aussi, enfin, toutes les femmes d'un certain niveau de vie, évidemment. Aujourd'hui, on en utilise pour les spectacles et aussi pour les mariages, parfois. Quand les mariages ont des grands robes comme ça, elles ont ça en dessous. C'est pas super pratique pour les collègues. Alors, je vais aller vous montrer le point directement.